Si tu veux avoir des gemmes gratuitement et facilement, je te conseille d'aller voir en description sous la vidéo, de cliquer sur le lien pour avoir des gemmes gratuitement et d'écouter la vidéo. Tu pourras savoir comment j'ai eu autant de gemmes. C'est parti, on commence la vidéo, go! D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un pack opening. Aujourd'hui pack opening avec le coffre de saison. Donc là ça va être, j'espère, une légendaire, j'espère. Donc on a le coffre. Alors mon record de la saison c'est 4793. Quasiment 4800 trophées, j'étais pas loin. Et mon score avec lequel j'ai fini c'est 4679. Et du coup je retombe à 4000, dommage ça. Je serais monté à 4900, je serais descendu à 4300, sur le TBE. Bref, du coup on se commence avec ce coffre, vu qu'on l'a directement. C'est parti, donc j'espère une légendaire. J'espère une légendaire. Donc 4000 d'or. Ensuite, entre les deux, je choisirais plutôt bombardier. Même si je n'utilise pas les deux, mais bon. Bombardier plutôt, on sait jamais, ça peut être pas mal. Bombardier, un petit bombardier de temps en temps. Donc 80 bombardiers, je peux passer au niveau 11, je crois même 12. Ensuite, donc, géant. Sans hésiter, géant. 44 géants en plus. En plus, c'est une des cartes que je dois monter au niveau max dans mon deck. Au niveau 10, déjà. Puis après, on verra. Donc ouais, j'en ai 221 sur 800. Donc il reste 3 cartes, j'espère une légendaire, j'espère. La mini PK plutôt. Ou quoi que le sort de... Peut-être le sort de soin, je sais pas. Mais on va prendre le sort de soin parce que j'en ai pas beaucoup. Ah, et puis sort de soin, guérison. Sort de guérison, c'est pareil, hein. Sort de soin, c'est pareil. Donc voilà, 172 sur 50. Épique. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, il y a une légendaire. Normalement, il y a une légendaire. Parce que la dernière fois, j'ai fait ça, ben, il y a un mois exactement. C'était ouais, c'était début avril, je crois. Non, début avril, début mai, pardon. Début mai, je fais ça, j'ai pas eu de légendaire. Donc voilà, j'étais un petit peu dégoûté. Mais c'est même pas une... Non, j'ai n'importe quoi, c'est même pas des épiques. Et j'ai même pas regardé les cartes en plus, c'est même pas des épiques. Mais du coup, on a même pas de légendaire, encore une fois, comment ça se fait ça. Mais du coup, là, je prends le miroir. Ça va faire. Voilà, je pourrais passer au niveau 6. Mais en fait, là, je disais que j'avais des épiques, mais j'ai même pas d'épiques, regardez. Ah, c'est des épiques, j'ai n'importe quoi. Voilà, je suis perdu. Je suis perdu. Donc là, c'est bien des épiques, je dis pas n'importe quoi. J'étais quand même perdu là. Donc là, ben là, légendaire. Donc là, légendaire, attention, attention. Donc j'espère une. Ouais, une... Non, soit une princesse, soit une sorcière de nuit. Plutôt une sorcière de nuit. Attention, c'est parti, ou les deux. Je choisis entre les deux, je dis quoi. Ben la sorcière de nuit. Hein. C'est. Oh non. Non, 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 non. Pourquoi. Enfin, je suis content parce que j'ai une légendaire quand même, hein. Faut pas non plus exagérer. Mais donc, sorcier ou zappy. Alors, je choisirais plutôt le zappy parce que comme ça, j'en ai 4 sur 4 et je vais passer au niveau 3. Donc on va prendre le zappy. Donc voilà, on peut passer niveau 3, plutôt cool. Petit zappy qu'on va passer, je pense, d'ailleurs au niveau 3, petit screen. Voilà, nickel. Mince, j'ai quitté l'appli. Donc voilà, alors juste, est-ce que je peux passer au niveau 3 maintenant? Ça coûte 20 000. Ça coûte 20 000, mais j'ai bon, au cas où, si j'ai la sorcière de nuit dans le shop, je préfère l'acheter, donc je vais économiser au cas où. On sait jamais. Donc là, d'ailleurs, il me manque 1000 d'XP, je passe niveau 12. 1000 XP, ça coûte 600 XP. Ah, c'est tentant, hein. C'est tentant. Je suis vraiment tenté en fait de le faire. Quoique, ouais, parce que si j'augmente les gobelins, ça va me coûter combien d'XP? Je sais pas. Je crois que ça va me coûter 1000 XP, donc je passe directement au niveau 12. Donc je préfère économiser. Donc là, on va faire le petit coffre. Oh, j'ai coffre de clan aussi, c'est vrai. On va faire un petit coffre gratuit. Ça s'est fait comme ça, direct. 96 d'or. Un cabane de gobelins. Et du coup, 12 gangs de gobelins. Que des gobelins, c'est. Coffre gratuit de gobelin. Ok, donc là ensuite on va se faire le coffre de défi. 2500 d'or. Bon, j'ai fait 2 victoires, c'est pas ouf. Hein. 18 Tesla, 26 squelettes, 5 méga gargouilles et. Oh, mais non. En plus, dans ma tête, là j'étais en train de me dire. Imagine, t'as une légendaire. J'étais en train de me dire. T'as déjà vu sur Twitter des gens qui ont déjà eu une légendaire avec. Une ou deux victoires. Moi j'ai déjà eu une légendaire, je crois, avec 0 victoire. Mais donc là, avec deux, donc là ça fait 2 légendaires dans ce pack opening et c'est pas fini. Je crois que c'est pas fini. Waouh, 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 le molos. Donc 3 sur 10, niveau 3. Là c'est génial, hein. C'est génial. Explosion de légendaire, là c'est cool. Waouh. Donc deuxième légendaire, on n'a pas fini, on n'a pas fini. Donc là, 2 victoires, une légendaire, bah je dis merci. On va faire un petit coffre gratuit. Donc là, le coffre de clan peut être une légendaire, on sait pas, on verra. Par contre, on va être deux légendaires, mais pas de sorcière de nuit, donc ça c'est dommage. Donc 74 d'or, 3 mousquetaires et 12 archers.
Ensuite, on a 70 d'or quasiment, une TDE, 12 barbares vite, ok, pas ouf. Dernier coffre d'argent, 78 d'or, 6 chevaucheurs, 12 chevaliers, ok. Ensuite, le coffre à couronne, c'est parti pour le coffre à couronne. Donc, voilà, 280 d'or. 4 cartes, pourquoi pas une petite épique à la fin, ça serait cool. 8 zaps, 10 archers, 19 Tesla, que des communes. Que des communes. Et donc 4 guérisons, de la rare, commune et rare. Ok. Donc là, on va se faire le fameux coffre de couronne. À couronne, pardon. Le coffre à couronne. Des messages. Ok. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Hein. Deux légendaires, là, ça fait quand même plaisir. Dommage que j'appelle la sorcière de nuit. D'ailleurs, la nouvelle carte, elle n'est pas encore sortie, c'est vrai. Il reste encore une carte. Donc, ouais, le Zappy et le Molosse que j'ai eu. Ça, c'est cool. Donc là, on va se faire le coffre à couronne. Donc, je sais pas si j'augmente le Molosse. Je pense que je commenterai plus tard. Quoique, peut-être en vidéo, ça coûte 20 000. Ouais, peut-être, je vois. 630 d'or. 2 gemmes. 2 tutarchés. 44 bombardiers. Mais il y a pas mal dans cette vidéo. 9 fournaises et une épique. Un petit gel, ok. Donc là, dernier coffre, ça va être le meilleur coffre, je pense. Enfin, entre les 3 meilleurs que j'ai eu, ça va être le... Enfin, entre les 3... Entre le coffre de saison, le coffre de défi et le coffre de clan, c'est le 3 meilleur, je pense. Après, on va peut-être légendaire ou pas, j'espère. Donc là, on va s'augmenter, allez, ce petit zappy. On va s'augmenter niveau 3, parce que c'est quand même une légendaire. Voilà, niveau 3, c'est cool, le petit zappy. Donc, voyez, il manque 400 d'XP. Et je passe niveau 12, donc ça c'est cool aussi également. C'est plutôt cool. Donc là on va se faire, alors c'est parti, le coffre de clan. 1620 d'or. Ensuite, on a 4 roquettes, ok. Donc là il nous faut 24 rares je crois et 12 épiques. Non, c'est pas ça, il nous faut 12 rares et 2 épiques. Parce que ce que j'ai dit avant c'était pour les coffres, les super coffres magiques. Donc 4 roquettes, 47 gobelins à lance, ok. Ça c'est cool les gobelins à lance parce que je dois aller monter au niveau max, au niveau 13. J'en ai 4000 sur 5000. Donc gargouille 52, 57 chevaliers, donc là il nous faut rare et épique, obligé. Aïe, 84 esprits de feu. Et on n'a pas eu cette rare je crois au début. Ouais, dommage. Donc là 23 rares, on a trop de rares d'ailleurs. Si on voulait avoir une légendaire au minimum. Donc là, ça sera épique, mais j'espère, ouais, une carte épique, on va voir, attention, suspense. 3 sorcières, c'est pas la bonne sorcière que je voulais. Je fais un petit screen quand même. C'est la sorcière de nuit que je voulais, pas la sorcière normale. Donc voilà pour ce petit pack opening, pas mal du tout. Donc voilà, bah, en tout cas, j'espère que ce pack opening vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo, très bientôt, et ciao.